Comment persévérer, aller jusqu'au bout, tenir dans la durée pour accomplir ces projets importants lorsque l'on est entrepreneur? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 enseignements stratégiques qui vous aideront à aller jusqu'au bout de vos projets, de vos buts, de vos opérations en utilisant la dynamique du parcours de transformation de l'entrepreneur. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là, bienvenue à vous. J'y partage régulièrement des conseils et des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, voici une chose à faire, c'est de cliquer ici sur le bouton rouge « s'abonner » et juste après, cliquer pour que la cloche vous informe des prochaines communications de partage, ça dure 3 secondes. Voilà, et comme ça, vous ne manquerez aucune publication. Lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on se lance en affaires, au départ, on a une motivation folle parce qu'on est ici plein d'idées, plein de rêves. On se dit « Ouais, chouette, enfin, je vais pouvoir réaliser toutes ces idées qui sont dans ma tête. Je vais pouvoir rêver en couleur et je vais vivre une vie haute en couleur. » On se lance et on a cette dynamique, cette motivation. Et on rencontre des obstacles sur sa route et ces obstacles font que on peut rapidement, quand on est entrepreneur, vivre les montagnes russes émotionnelles. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un jour, c'est super. Un jour, c'est pas super. Un jour, tout fonctionne comme prévu. Un autre jour, ça ne fonctionne pas comme prévu. Et quand on se retrouve dans de telles situations, en tant qu'entrepreneur, on se retrouve un peu au pied du mur et on peut commettre à ce moment-là 3 grandes erreurs. La première erreur, c'est de tout baser votre système de travail, votre système de production, votre système de productivité, bref, votre business sur la motivation. La motivation, c'est quelque chose d'extraordinaire. En revanche, c'est quelque chose qui peut être éphémère. Pourquoi? Parce que quand on se base sur la motivation, on se base sur l'humeur et on se base sur si tout va bien. Donc, si les opérations sont bonnes, si le temps est beau, si tout est bon, ça va. Mais si le temps n'est pas bon, si les opérations ne sont pas bonnes, si les vents sont un peu contre nous, ça ne va pas. Et vous ne pouvez pas, quand vous êtes entrepreneur, reposer votre business sur la motivation, sinon ça fait comme ça. Des montagnes russes non émotionnelles, mais en termes de chiffre d'affaires et en termes d'activité. La deuxième erreur, c'est de penser que les obstacles, les défis, les difficultés qu'on rencontre sur son parcours, les défis ne sont pas normaux. On pense que c'est anormal de rencontrer des situations imprévues. On pense que c'est anormal de rencontrer ou de voir des opérations qui se passent un peu différemment que prévu. Même lorsque vous planifiez tout à totalement, il y a toujours une marge de manœuvre, il y a toujours des choses qui sont différentes. C'est la raison pour laquelle on planifie souvent les imprévus pour pouvoir recadrer, avoir cette habileté qu'a l'entrepreneur. Mais cette erreur, c'est de se dire, mais j'y rencontre des difficultés, c'est pas normal. Donc si c'est pas normal, peut-être que je devrais arrêter. Et puis la troisième erreur, c'est de ne pas utiliser la vraie dynamique. La vraie dynamique de l'entrepreneur, celle qui lui permet d'avancer et de se propulser. Or, c'est quoi cette dynamique du parcours de l'entrepreneur? Il faut pouvoir utiliser cette dynamique pour accélérer. C'est d'être capable de faire les bonnes choses au bon moment, dans le bon ordre. Parce que le plus grand défi de l'entrepreneur, c'est de faire énormément de choses, énormément d'actions et d'activités, d'aller dans tous les sens et de ne pas surfer sur la dynamique. La dynamique, c'est lorsque tout est mis dans le bon ordre et que ça prend. Ça accélère. C'est comme si vous étiez en train de travailler du matin au soir en faisant des opérations qui ne sont pas censées être faites à ce niveau-là, au niveau où vous êtes. C'est pour ça que j'ai créé cette pyramide de croissance à 7 chiffres et ce parcours du transformation ALEC qui vous montre ce que vous devez faire, à quel moment et dans le bon ordre. Donc c'est un grand défi pour l'entrepreneur de ne pas utiliser cette vraie dynamique et quand vous réussissez comme ça à réunir les bons ingrédients dans le bon ordre, au bon moment, vous créez cette fameuse dynamique. Je vais dans un moment vous partager une image, une métaphore puissante qui vous aidera à comprendre comment fonctionne cette dynamique et comment l'utiliser à votre tour. Mais juste avant, laissez-moi vous expliquer comment se passe le cycle de motivation de ce parcours de l'entrepreneur. Vous avez au tout départ de l'activité un cycle qui est très élevé parce que vous êtes motivé, tout est nouveau, tout est excitant, on est content surtout, on est content de se dire qu'on paiera peut-être des impôts, on est content de payer aux fournisseurs, on est content. On est content de s'inscrire ici et là aux impôts, enfin on est content de tout, on est vraiment dans ce cycle de motivation. Et ensuite, à un moment, il va y avoir une autre phase, une phase où on revient un peu les pieds sur terre et on se rend compte qu'il y a des opérations, qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et des choses peut-être qu'on n'a pas maîtrisées ou des premières opérations qui ne sont pas exactement comme on le voulait. Et quand on se retrouve dans cette partie, de cette phase, c'est une partie, une phase qui est ultra importante pour l'entrepreneur. Parce que c'est dans une phase où on peut se remettre en question, on peut avoir des doutes, des incertitudes. Et puis, si on n'est pas immunisé
contre les vents extérieurs, c'est-à-dire l'entourage, l'environnement qui nous dit peut-être que vous avez fait une mauvaise chose, vous avez pris une mauvaise idée, vous avez pris une mauvaise décision, vous avez fait les mauvaises choses, est-ce que vous êtes sûr de vous? Si on n'est pas bien paré à l'intérieur, on peut, comme ça par exemple, arrêter son projet, ou on peut tout simplement fermer la boutique ou ne pas continuer à rêver haut en couleur. C'est donc important à ce moment-là de vous entourer des bonnes personnes, d'être dans un environnement favorable. Et cet environnement n'est pas forcément physique, il peut être à distance. Vous pouvez lire, vous pouvez vous former, vous pouvez, comme vous faites maintenant, baigner dans un environnement qui parle ce langage, qui vous montre et qui vous dit qu'il y a des difficultés, que c'est normal d'avoir des difficultés et que c'est à ce moment-là que vous devez justement redoubler de vigilance pour avancer sereinement parce qu'il y a une phase d'après, une autre vague qui est la phase où peut-être que ça prend d'une façon même énorme et il y aura peut-être encore une phase où ça va redescendre et c'est ainsi de suite. Ce sont les montagnes russes émotionnelles. Mais ça ne vous empêche pas, peut-être lorsque vous êtes dans une phase qui est plus basse plus tard, d'être prospère en termes de chiffre d'affaires, en termes de clientèle. C'est peut-être un moment où vous ne vous sentez pas aligné avec votre message, votre marché, votre marketing. Vous savez, il y a des défis qui reviennent systématiquement lorsque vous êtes dans votre croissance, dans ce parcours de l'entrepreneur. Et donc, c'est important de connaître ce cycle-là et de savoir quand vous êtes dans une phase où c'est un peu le creux, d'être plus fort mentalement. C'est pour ça que je vous invite souvent à travailler la partie psychologique pour ne pas simplement vous reposer sur la simple motivation et ne pas laisser le hasard décider. À ces moments-là, c'est là qu'on reconnaît l'entrepreneur. C'est cette capacité à réussir à prendre des décisions, prendre du recul, savoir quand même rebondir. Vous pouvez être fier de vous quand vous dépassez ces phases-là. Maintenant, il ne faut pas passer toute votre vie dans ces phases-là. Il faut travailler bien, intelligemment pour reprendre de nouvelles phases, de nouvelles dynamiques, pour retrouver à nouveau un moment creux à une nouvelle phase. Quand vous avez par exemple dépassé la barre des 100 000 euros, bien, vous avez fait déjà partie du top 1%, par exemple des revenus français. Mais lorsque vous vous sentez bloqué à 2, 3, 400 000 euros pendant des années, vous n'êtes pas à plaindre, c'est sûr. Et si votre potentiel est plus grand, si votre marché est plus grand et que vous savez que vous pouvez atteindre la barre du million, que vous vous sentez bloqué pendant longtemps, vous pourriez vous retrouver ici dans un creux, un moment creux, qui ne serait pas perçu comme un moment creux pour une personne qui ne gagne pas cette rémunération-là. Mais pour vous, oui, parce que c'est vous l'entrepreneur et c'est votre parcours, c'est votre potentiel. Donc, c'est important à ce moment-là également d'avoir du recul, de recentrer les choses et de pouvoir avancer sereinement. Voici cette image pour cette dynamique du parcours de transformation de l'entrepreneur. Imaginez-vous un instant. Il faut d'abord, quand vous êtes imaginé en train de pousser une voiture qui est immobilisée, vous allez la pousser. Vous êtes seul derrière à la pousser. Vous commencez à pousser cette voiture. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, c'est très lourd. C'est très lourd. Vous poussez, elle avance très difficilement. Vous poussez, elle avance très difficilement. Mais est-ce à dire qu'elle ne peut pas avancer et démarrer? Imaginez, vous êtes en haut d'une pente. Si jamais vous ne voyez pas le parcours complet, vous pourriez vous dire qu'elle ne va jamais démarrer, qu'il n'y aura jamais de dynamique et vous arrêter et de faire comme beaucoup de personnes qui renoncent à leurs rêves et qui s'en vont. Par contre, si vous parvenez comme ça à pousser, à même à vous faire aider, vous allez voir que tout doucement, la voiture va prendre tout doucement de la vitesse, elle avance petit à petit. Ensuite, elle accélère et aidée par la pente, par le vent, elle accélère. Ce qui arrive à tout le monde puisque dans le business, il y a des vents favorables qui arrivent. Parfois, des vents qui vont contre vous. Mais si vous avez cette conviction, il y a des vents qui iront dans votre direction. Donc là, ce qui se passe, c'est que la voiture commence à rouler toute seule. Elle commence à accélérer. Et si en plus de ça, vous êtes accroché ou attaché à cette voiture, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à un moment, c'est plus vous qui allez pousser la voiture, c'est la voiture qui va vous conduire, qui va vous tirer, qui va vous emmener en fait avec elle. C'est-à-dire que l'effort que vous avez donné au début est récompensé. À partir du moment où elle prend de la vitesse, ce qui va se passer, c'est que avec cette vitesse, le moteur va redémarrer. Et là, vous allez pouvoir accélérer encore plus rapidement. Et c'est cette vraie dynamique que chaque entrepreneur doit pouvoir créer. Maintenant, la question à vous poser, où en êtes-vous? Au moment où vous voulez pousser cette voiture, est-ce que vous êtes dans la phase où c'est dur, ça n'avance pas du tout, ou ça avance un tout petit peu, ou alors ça commence déjà à avancer, ou alors c'est déjà dans le moteur qui s'accélère et vous êtes à une nouvelle pente et le moteur est encore tombé en panne, ou alors vous êtes en pleine accélération totale. Quel que soit l'endroit où vous êtes à un de ces endroits. Ou alors peut-être que vous avez quitté, vous avez arrêté de pousser la voiture bien trop tôt. Mais vous réalisez que lorsque vous avez le plan complet, la vision complète, vous savez exactement où vous allez dès le départ, c'est beaucoup plus simple d'avoir confiance. Parce que vous savez qu'en poussant, vous allez avancer et vous allez accélérer en suivant cette vraie dynamique de l'entrepreneur.
Voici à présent 5 conseils que je vais vous partager si vous êtes dans une phase où vous commencez à pousser ou si vous voulez accélérer pour vraiment faire en sorte que cette dynamique puisse s'enclencher avec vous. La première des choses, c'est d'apprendre les règles du jeu. Avant de vous lancer ou avant de commencer à aller à tout faire, réfléchissez à tout ce que je viens de vous partager. Dès le début, vous savez qu'il y a un moment où il faudra pousser, ça n'avance pas. À un moment, vous poussez, ça avance un petit peu. Et puis à un moment, vous poussez, ça avance super bien. Et à un moment, vous ne poussez plus, vous êtes tiré, ça accélère, vous pouvez aller où vous voulez. Dès le début, vous le savez. Donc c'est important de prendre conscience de ça et donc de connaître les règles du jeu. Parce que comme ça, lorsque vous serez dans cette avancée, que ça bloque, vous ne serez pas surpris en vous disant on continue ou on pas, on continue pas, on continue ou on arrête, on y va, on a fait les bonnes choses ou pas. Est-ce qu'on est dans le bon secteur ou pas? C'est de savoir que c'est une dynamique qui est normale. Rappelez-vous, c'est une erreur de penser que les défis sont anormaux. Les défis font partie de la croissance et elles sont sur la route. Et parce que vous en surmonterez beaucoup, vous avancerez beaucoup plus rapidement. Donc, première des choses, c'est d'apprendre, de connaître les règles du jeu. Ensuite, deuxième idée, c'est de pousser. Commencez à pousser. Poussez fort, poussez, donnez votre énergie et poussez quoi? Ben, votre entreprise, poussez vos projets, poussez vos idées. Hein, c'est-à-dire votre site internet, votre parcours de vente, parce qu'aujourd'hui un site internet c'est pas obligatoire, c'est même très facultatif, mais votre parcours de vente, c'est-à-dire un tunnel comme on appelle aux États-Unis, c'est-à-dire le chemin que suivra votre client du moment où il vous découvrira au moment où il fera des transactions avec vous et il créera une relation sur le long terme avec vous. Donc pensez à tout ça et poussez, donnez de la force, donnez de l'énergie, vous avez besoin que ça avance. Ensuite, troisième point et stratégie, aidez-vous, faites-vous entourer. Parce que pendant que vous poussez, c'est lourd. Imaginez si vous êtes à deux à faire à donner la même force, la même énergie. Même si seul, vous n'avez pas toute la force nécessaire, si vous additionnez vos forces à tous les deux, comment ça peut avancer? Imaginez si vous êtes à trois, imaginez si vous êtes à quatre, si vous êtes à cinq, imaginez à cinq en train de pousser cette même voiture. Est-ce que vous pensez que ça peut avancer plus vite? Oui. Alors je ne dis pas, ne parle pas d'associer, d'association dans votre entreprise et échanger les parts et vous associer peut-être avec une personne qui n'est pas en relation avec vos valeurs. Non, vous pouvez très bien pousser et demander aux gens de l'aide pour venir vous aider à pousser. Mais vous n'allez pas dire que la voiture après on la divise à 5. Si vous le faites, c'est une autre discussion, un autre partage que je ferai avec vous sur cette chaîne. Est-ce qu'il est bon de s'associer ou pas et comment le faire? Non, là je parle de s'aider. S'aider, c'est simplement parfois demander de l'aide autour de vous. Il y a, par exemple, là, vous êtes en train de demander de l'aide en appuyant, en partageant, en découvrant, comme je le fais moi-même. À chaque fois qu'il y a un domaine nouveau que je veux apprendre, dans les domaines privés ou personnels ou autres, j'aime apprendre, j'aime le développer. Et comment trouver de l'aide? Parce que je sais que je vais rencontrer de la résistance. Au moment où je vais pousser au départ et j'aurai envie de renoncer. Mais besoin d'aide, parce que l'aide, vous pouvez vous faire mentorer, avoir un mentor, avoir un partenaire, des gens qui pourront vous aider à pousser pour pouvoir faire avancer cette voiture beaucoup plus rapidement votre projet, votre business avec cette dynamique. Quatrième stratégie, accompagner le mouvement. C'est-à-dire la voiture, le business est en train d'avancer et d'accélérer. Accompagner cet élan. Vous êtes dans la dynamique, vous êtes dans cette dynamique que vous avez réussi à créer. Accompagnez-la. Pourquoi? Parce que imaginez, vous êtes en train de pousser la voiture elle vous la pousse et puis elle s'en va, vous lui dites au revoir. Non! Parce qu'elle va s'arrêter. Vous avez besoin encore, vous êtes le maître à bord, donc vous n'êtes peut-être pas au volant puisque vous poussez, mais c'est votre voiture. Vous avez besoin d'être dedans aussi pour le moment, dans cette phase-là. Ensuite, vous pourrez faire autrement. Vous pourrez descendre à des moments plus tard lorsque votre business n'aura plus besoin de vous, mais au départ, vous devez être dans ce véhicule. Donc, vous poussez, vous l'accompagnez. Si c'est un 4x4, si l'arrière, vous pouvez sauter par derrière, sauter et puis monter. Ou sinon, vous ouvrez la portière, peu importe. Dans cette allégorie, dans cette métaphore, dans cette image, je veux que vous en rappeliez. Vous, une fois que ça avance, vous montez dedans et vous accompagnez. Et puis le cinquième point, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par l'accélération. Laissez-vous porter par l'équipe. Laissez-vous porter par les systèmes, par les outils d'automatisation que vous aurez mis en place. Mais laissez-vous porter par l'organisation, par tous les processus et les procédures que vous avez mis en place avec votre équipe. À ce stade-là, la voiture avance tellement vite. Vous avez une équipe autour de vous qui gère les choses et vous pouvez, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, vous retirer, vous extraire un petit peu de ce flux et d'observer et de vous laisser porter. On peut vous conduire. Vous n'avez pas besoin d'être attentif à toute la route. Il y a d'autres personnes qui savent conduire aussi dans ce véhicule qui est votre entreprise parce que peut-être que vous avez délégué, vous avez d'autres personnes et quand la voiture accélère, ça veut dire que votre business également a grandi. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble 5 idées stratégiques
pour accompagner cette dynamique du parcours de l'entrepreneur. On a vu ensemble trois erreurs. La première, c'est de reposer tout sur la motivation. La deuxième, c'est de penser que les difficultés, les défis qui arrivent sur le parcours, c'est pas normal, sont anormaux, qu'il faudrait que tout soit paisible, tout soit rose dans le meilleur des mondes. Et puis, troisième erreur, c'est de ne pas utiliser la vraie dynamique de l'entrepreneur, c'est-à-dire faire les bonnes actions dans le bon ordre, au bon moment, pour pouvoir créer cette rapidité et cette dynamique. Première stratégie, c'est d'apprendre les règles du jeu pour savoir que dès le départ, il y aura des montagnes russes émotionnelles, physiques, tout ce qui va se passer. Il y aura des défis, il y aura des changements de situation. Et dès le départ, on sait quand on pousse, c'est résistant et ensuite ça s'accélère. Donc, on connaît les règles du jeu et on n'est pas surpris. On sait simplement qu'il faut avoir de la patience à chaque stade. Ensuite, deuxième point, c'est de pousser. Poussez fort. L'entreprise, elle démarre. Elle a besoin de vous. Poussez fort vos projets, vos idées. Poussez-les de façon stratégique, bien sûr. Donc, vous poussez, vous pousser. Troisième point, c'est faites-vous aider, entourez-vous, demandez à d'autres personnes de venir pousser avec vous des idées, des échanges. Si vous assistez à des événements, vous échangez avec les personnes de la communauté, si vous êtes accompagné par un coach, par un mentor, par un formateur, bref, vous êtes dans cet élan pour grandir, avancer et aller plus vite quand vous êtes ici accompagné. Quatrième point, accompagner le mouvement, accompagner la dynamique. Et puis cinquième, laissez-vous porter. C'est la grande récompense. Imaginez-vous porter un poids très lourd. Vous devez le lancer, c'est très lourd. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, c'est lourd, mais à un moment, plus que la dynamique arrive, au plus ça devient facile et léger. Et puis à un moment, vous lancez, c'est parti, on ne peut plus rien arrêter. C'est ce qui peut vous arriver pour votre business si vous suivez ces 5 conseils, ces 5 stratégies et que vous les refaites encore et encore en connaissant déjà le plan complet de la dynamique de l'entrepreneur. Ce que je viens de vous partager, cette dynamique fait vraiment partie d'un ensemble qui est le parcours de transformation de tout entrepreneur. C'est le parcours, toutes les étapes que suit chaque entrepreneur pour passer cette barre du des premiers 100 000 euros, ensuite du premier million d'euros. Il y a cette dynamique qui est essentielle à avoir en permanence. Et en fonction de l'endroit où vous êtes, savoir faire les bonnes actions au bon moment, dans le bon ordre, est impératif. Vous ne pouvez pas faire sans. Et donc, j'ai créé ce document pour vous montrer comment faire. En fait, je l'ai créé pour moi au début. C'est plus de 15 ans d'expérience entrepreneuriale pour simplifier et synthétiser tout ce que j'ai pu apprendre et découvrir dans ce parcours de transformation. Et je l'ai ici offert pour vous. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le i comme info si vous êtes sur YouTube, où tout est dans la description. Je vous inviterai également à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment j'utilise ce document, comment je le partage et comment vous pouvez l'appliquer à votre tour. Si vous êtes inscrit ici, dans la description, vous recevrez une invitation pour ma prochaine session. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le pouce bleu en bas de cette vidéo, comme ça le pouce j'aime, ça permet de m'encourager, d'encourager d'autres personnes à découvrir cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge s'abonner juste ici, ça vous permet de ne manquer aucun des prochains partages. Et puis laissez-moi ici au bas de cette vidéo en message, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez retenu de cette vidéo, ce qu'elle vous permettra de réaliser et de faire, quels sont les éléments qui vous ont semblé pertinents et que vous allez pouvoir appliquer. Et puis dites-moi également si vous avez d'autres types de conseils, d'autres questions que vous vous posez sur ce parcours de transformation de l'entrepreneur que je pourrais ici et auxquelles je pourrais répondre au travers des prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'ai été ravi de la tourner pour vous. Je vous envoie toute mon amitié. Et je vous dis à très bientôt, c'était Zico Kiax, merci.